Bonjour à toutes et à tous, c'est Siabancal et on se retrouve sur Chorus pour la suite de cette petite découverte au minimum de ce jeu de tir spatial, d'aventure et de voyage dans l'espace dans lequel nous jouons Nara, une personne qui a trahi le culte. Dans l'épisode précédent, nous avions un peu fait le tuto, découvert le début du jeu et là on va continuer un petit peu l'histoire avec la mission Cargaison Sensible. C'est parti. Allez, on fait un peu d'hyperdrive, c'est loin. Donc pour rappel, une cargaison a disparu. Et on va devoir voir ce qu'il en est. On aura en récompense une arme, ce qui va être très bien. Après cette mission, je pense qu'on retournera à l'enclave et on mettra au moins la mitrailleuse niveau 2. Peut-être des nouveaux ajouts, parce qu'on a récupéré pas mal d'argent. Pour la mission qu'on a fait précédemment et les quelques, disons, petites caisses qu'on a malencontreusement trouvé, oh là, aux rochers qui volent, aux astéroïdes. Ok, une poêle de pirate. Ouais, mais bon. Je cherche des armes, c'est bien ce qui m'intéresse dans cette mission. Accélère un peu. Ah, moteur subunique et hors ligne, il me le désactive. Pourtant on est à 7 km encore, donc c'est pas tout près. C'est très joli ce petit endroit. Oh. Petite roche rouge. Je sais pas comment on peut avoir des roches rouges en fusion comme ça dans l'espace qui est très froid. Mais bon, après ça conduit pas à la chaleur l'espace techniquement. Il y a très peu de molécules à faire bouger. Chez vous, il fouille le secteur. Ah, un ennemi. Un rapace pirate. Il est protégé. Ok. Oh, j'aime bien la petite peinture tête de pirate. Allez, c'est parti. Notre premier ennemi avec bouclier. Viens là, toi. C'est tout ? Minable. Eh bien, tes potes là, non ? Bon, tout long que ça va. Hein. Il a mangé très cher. Allez, un petit ray d'essence. On n'a rien repéré visiblement. Et en bas. Alors là, là il y avait un truc. Alors, 26 km, 12 km, on s'en fout. Là. Il y a un truc derrière ce gros rocher. Il y a un truc là aussi d'ailleurs. Des sous-sous. crédits. Non, c'est pas si un petit que ça. Moi, ça me va. Rien du tout. Très bien. Ah. Il y avait une icône là-bas. Ici. $250, c'est encore mieux. Imagine the cult took the bait. Not for long. But he figured we could use it. Right. And go ahead and help yourself. Should be a laser for you in there. Il devrait y avoir un laser. Aha! Notre deuxième arme. Cool. Laser qui sera certainement bon contre les boucliers. Et il y a un truc là. Sav, I got the crate. Ah, c'était la caisse. Je vais l'occuper. How many weapons? Une. Only a few. Lasers mostly. Du laser Nova. Ah, j'ouvre l'onglet du vaisseau. Objet courant. Les prototypes d'armes à rayons existent depuis les tout premiers combats spatiaux. Néanmoins, ce sont des armes extrêmement gourmandes en énergie. La pénurie de ressources liées aux guerres civiles intergalactiques fait que leur quantité a drastiquement chuté au fil des ans. Mais aujourd'hui, que le cercle a apporté calme et stabilité à de nombreux secteurs spatiaux, par la force et par le meurtre, mais c'est un problème, les cellules énergétiques deviennent plus faciles à trouver. Le modèle Nova se recharge lentement, mais inflige de gros dégâts contre les boucliers. Et donc oui, c'est ça. Ça inflige beaucoup plus de dégâts aux boucliers. Notre mitrailleuse. Cadence de tir lente. Charge 3, vitesse de recharge 2, ok. Très bien. On va l'équiper. Ah, on a gagné un niveau de maîtrise. En sens de la richesse. Bah oui.
Plus 4% de crédit récupéré dans les caches de butin, très bien. Plus d'argent, ça me va. Là, je devrais pouvoir changer d'arme. Un veut pas, donc... Les lasers détruisent les boucliers. Ok, c'est parti. Arme calibrée, parfait. On change d'arme, allez. Viens mon copain. Voilà. Et ces armes marchent pas bien. Oui, très bien le laser. Wow. Mec du culte ça on dirait. Les vaisseaux du culte qu'on a vu au début. Excuse-moi mon copain. Vas-y esquive, esquive. Plusieurs contre 1. Non mais d'accord. Voilà. Faire jouer à 1 contre 1, étrangement. Magnifique. Voilà. Pas me toucher. Ah, ils ont failli abîmer mon armure. Voilà. Faire refuge quand même pendant toutes ces années, donc tu pourrais fight pour eux quand même. Je vais mettre mine de... la mine du coup. Et la mine de machin. Mine de nerf 8, c'est ça que je vois. Et là. C'est bon, on pourrait aller à la mine de nerf 8. Rien d'autre à faire. On a l'autre mission principale. Nous apporter un mod. Pas mal. Kilomètres, on a. On a 11 km. 7 civils Turin. Ou mine de Chaska. On va charger. Viens voir. Ah non, là c'est la mine de Chaska. Et là c'est la mine de Nerut. Exactement. On va être dans la mine de Nerut. Il y aura peut-être un civil qui a besoin d'aide. Allez, on hyperdrive un peu. Elle est là. Pas loin. Let's have a look. Activité détectée. Canne. Petit truc à ramasser déjà. Ouais, ça me va. crédits. Oh, on commence à ramasser plus, c'est bien. Un peu plus. Pour des crédits là. Oui, alors je suis quelqu'un qui aime bien tout ramasser, donc forcément... Là, quand c'est quelque chose d'important. Ah, y a des pirates. Copain, revenez donc. Il y a un souvenir, je pense. Ah si, oui. Nous, nos copains les pirates. 312 crédits, ouais, ça valait la peine, ça valait la peine. On a après une mission, c'est vraiment... Rien, j'avais vu un souvenir il me semblait. Appel de détresse, tiens. Mine de nerf 8, appel de détresse. Il y a la mine de nerf 8. Peut-être là-bas, du coup l'appel de détresse. Mon pilotage, signal de détresse. Là, c'est le souvenir que j'ai vu tout à l'heure.
else can we do? Join the pirates? Why not? What we get paid over a month, they loot in a week. In 1 week. You're joking, right? Maybe not. I should do it. Mais c'est celle qui appelle à l'aide. Allez, on va défendre les civils. We're out of fuel and stuck here. Can you transfer enough to get us to the next station? Oui, ça me semble acceptable. Sure. I can help you out. Après, on doit pas avoir beaucoup de fuel dans ce vaisseau. Hein. Here's something for your trouble. Thanks, Captain. Stay safe out there. Fragment de coque, ah ça valait la peine. On est à 2 fragments de coque sur 3. Look où? Là? Là-bas? Ouais, l'appel de détresse, bah oui. Hey there. You a miner? No, just passing through. Wanna stop by? I don't think so. Never mind then. Il me parle. Là-bas? Il me parlait. Je ne sais pas. On va aller vite fait à la mine de Nerut, après on ira au signal de détresse. Près de Nerut. Nerut. Il n'y a pas de, d'emplacement de dockage ici. Je dirais pas. Rien de spécial. Juste des sous à récupérer. Je pense. Et les petites missions à côté, bien sûr. De l'argent, toujours de l'argent. Bon, il y avait un signal de détresse. Que je le. Je suis là, j'arrive. N'inquiétez pas. Aïe. Esquive. Aïe, oula, je commence à manger cher. Mon bouclier se recharge. Et sont mes alliés, ils font quoi là? Oh, ça c'est un allié. Ok, c'était de la vie, je suppose. Eh bah, il est long. Faut jamais y avoir mon bouclier, hein. Ils font bien mal. Bien mal, ma vie s'est régénérée toute seule. Là peut-être. Ah oui, un appel de détresse qui est toujours là. Je vais mettre. On va s'y diriger. Ok, on a déjà eu le dialogue. Est-ce que c'était la mine? On a un signal de détresse dans le coin. Ensuite, d'entraînement au pilotage, ça peut être intéressant d'y aller. Et... Bon, le signal de détresse ne l'affiche plus. On devrait pas être loin. Dans les missions que j'ai. Ah, mine de Nerut, appel de détresse. Celui-là. On va le pinguer. Approcher du. J'étais déjà approché tout à l'heure du relais minier. Étrange. J'ai considéré que j'étais sur une autre quête. Plus proche du relais minier que ça, je ne peux pas. Et si je le rentre dedans. C'est des panneaux ou c'est des trucs laser? Je veux ça à travers. Pour le fun.
Bon, oui. Et au niveau du point, mais... Ok. Sav, come in. What's up, Nara? Tell me about the resistance. There was a guy in charge called Admiral Cardo. Et là, c'est là-bas. Et pourtant, je suis dessus, hein. J'ai le détresse. Et voir, hein, c'est à 3 km là. Hey there. You a miner? No, just passing through. Wanna... Wanna stop by? I don't think so. Never mind then. Ok, bon bah écoutez. C'est l'entraînement au pilotage, mais c'est pas ce que je cherche. Le fameux signal de détresse qui n'arrête pas de bouger. Non. Je trouve que ça. Quand je suis sur la base, il me dit à quelques kilomètres et quand j'y vais, ça ne va pas. Non, elle dit qu'elle ne s'arrêtera pas. J'entends, j'entends. Je vais vous mitrailler, vous allez voir. Je crois comprendre. Okay, donc c'est le même script qui se lance que tout à l'heure. On va le faire et puis après on rentre à l'enclave pour s'améliorer. Si je meurs pas. Du complexe minier, mais ça ne marche pas. Wow, s'il vous plaît. Un peu de respect. Voilà. Ralenti, on tourne. Où sont les autres copains? Là. Il y en a un. J'ai vu. Et de deux. Wouhou! Aïe, 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 aïe. Il est sous moi. Une talonne. Bon, on tourne, on tourne. Où est le copain qui reste? Là. Ok, donc si la mission se répète, on peut peut-être farmer les crédits. Hein. C'est une idée. Il est toujours là, oui, bah... Bien d'accord, mais... Il ne marche pas, ton signal. Hey there. You a miner? No, just passing through. Wanna... Wanna stop by? I don't think so. Never mind, then. Allez, retournons à l'enclave. Ça commence à devenir trop long. L'enclave, c'est... C'est près du... Au point exclamation ? Pas du tout. Je peux mettre un repère. Repère personnalisé, c'est ça. Hop. On va pinguer l'enclave. Et on y va. À vitesse maximum. D'accord, donc si les scripts se répètent, c'est une bonne et une mauvaise idée. En sens où là, il s'est répété à 5 minutes d'intervalle, donc c'est pas très bon. Et si finalement, si vous laissez un quart d'heure en plus. Ok. Là au moins il y a un vaisseau avec qui parler. Turin, the mechanic, right? Chief of Enclave Engineering. Anyway, my boy, he's a real rust. He loves to race and went off without a single word. But after everything that's happened, it's not safe out there right now.
Ok. Ok, I'll locate him. And his sister. She follows him everywhere. So she's lost too. I know. Damn. I'll find them. Just let me know where they are. I marked one of their favorite spots for you. I'll keep searching in the other direction. Bah, tu devrais plutôt chercher dans ces endroits préférés et nous on cherche dans les autres directions. Tu connais mieux pour les convaincre. Ok, donc c'était aussi du pilotage. In. Havre. Ok. Et du coup, pas l'enclave, hein, du coup. On fait la petite mission. Et pas apparu. Accepter la mission, mais. Et non. Vaisseau manquant. Ok, on va retourner à l'enclave. Il y a des petits problèmes, hein, mon jeu là. Accepter la mission, mais elle n'est pas dans mon. Bon, je me souviens qu'il m'a pingé le site d'entraînement au pilotage, qui me semble logique, hein, si c'est un jeune qui veut apprendre à faire la course, apprendre à aller le plus vite possible. Le pilotage, c'est pas une mauvaise idée. Et oui. Ok, retour à l'enclave. Ok, direction la boutique. On va enlever le repère personnalisé. Est-ce qu'on peut... Voilà. R, c'est bon. Oh. Il a continué sa course pour l'instant. Allez. On va s'améliorer un peu. Attends qu'on ait des sous. Un peu de sous. Je sais pas si je vais faire l'amélioration d'armure. J'en ai 2 sur 3. Est-ce que ça va me coûter de l'argent ou pas? Bien pour en trouver un troisième fragment d'armure. C'est 800 quand même. C'est vrai qu'il m'en manque un. Tout à l'heure c'était 800 aussi. Pourtant je peux cliquer dessus. Non, ça me coûterait rien quand j'aurai les 3. C'est pas comme ça que je pensais que ça marchait. Très bien. Bon, on a la sagaie sauvage du coup. On la met. C'est quand même bien plus mal. Hein. Moins de temps avant surchauffe, mais apparemment on fera des petites rafales. Allez, on achète. Une sagaie sauvage. Et en laser, on a le Nova, on a le Nova Fusion. Et bah juste meilleur en fait. Y a pas de contre-coup. En raison de leur temps de rechargement important, les lasers se doivent de toucher leur cible à tous les coups. Durant les grandes guerres civiles, les ingénieurs de l'AMAS de Martano réussirent à miniaturiser les condensateurs à haute tension utilisés par les lasers de forage. Grâce à eux, même les chasseurs monoplaces peuvent désormais être équipés de lasers tirant à une fréquence qui était autrefois réservée au matériel de forage de pointe. Très bien, on gagne 18 dégâts en coque, pas mal, 27 dégâts en bouclier, 9 au blindage, et une charge de tir. Avant, recharge, pas mal. Et on passerait au-dessus du dégât Gatling. Hein. Pour les mêmes cibles, mais. Bah, très bien, on s'améliore. En 2 armes. Pas mal du tout. Combien il nous reste d'argent? 613 crédits. Rien de nouveau dans les protocoles. Simplement. Alors, on s'en va. On a déjà dépensé assez d'argent. Allez. On sort de là. Et on va au site. Alors, si je fais appel à la détresse, il va toujours me mettre le complexe minier là. Pas sûr que ce soit la meilleure idée. On va plutôt aller
directement au site d'entraînement au pilotage. Et on peut passer par le vaisseau manquant. Pas loin. Allez, vaisseau disparu. Ça débloquera peut-être la zone au final. Ce que je veux dire, c'est que la mission de la mine est peut-être bloquée. Il y a la parole. Elle ne s'active peut-être pas parce que je n'ai pas fait assez de missions principales. Mais ça serait un peu bizarre qu'ils aient laissé la parole du mec. Après, ceci dit, elle répond qu'elle ne s'arrêtera pas. Donc. Et... encore. Lieu découvert. Ça a l'air bien cassé ici. Ah, Nara, you're here. We have a situation. Pirates seized the ship that's crucial to us. And you don't have enough security forces to get it back. Well, Talon is hard to come by. I'm not interested in... About this ship? The pirates have my crew pinned down. I see. Ok, on va approcher. On va augmenter la vitesse du vaisseau. Is that a spirit? Last battleship? Yes. I haven't seen one since I came here. Got him. That's our ship. Kill the thieves. Ce joli vaisseau. Ah oui, il fait bien plus mal. Ah, une volée là. C'est tout? C'est tout ce que vous avez contre mon nouvel armement? Bande de minables. Oh, oh, désolé. Je pense que le vaisseau sait plus où est le sol. Quand je clique sur le bouton milieu, souris. Montez à bord. Oh, on va diriger le gros vaisseau? Cool. Quand je monte à bord. Comme ça. Et qu'il y avait une petite baie de dockage. Ah oui. Alors, vaisseaux de classe esprit sont lourdement blindés, mais leurs poids les rend extrêmement lents, ce qui peut pour tourner accéléré. Les tourelles d'artillerie pourront tirer dans toutes les directions, quelle que soit la rotation du vaisseau. Ah ouais, il y a des tourelles partout. Ok. Ah, alors par contre, il est en WASD. Ça, ça va pas me plaire. Il se dirige pas de la même façon. Codeling, ouais. Problème. Mais il est commande. Perlo, bah pas du tout. Ah. Droite. Ah non, il y a freiné. Ah oui. Ah oui. Bah tant pis. Accélérer, on va mettre. E. Y retirer. Et... hop, pas mal, normal, c'est bon, on est pas mal allemand. Par le 1, 2, 3 qui marche pas, ça vite fait, que hop, je connais pas le clavier comme 1, 2, 3, voilà, je monte, je descends. Ah, oh, c'est trop bien d'avoir des vaisseaux mères. Par contre, c'est lent, les bestiaux. Vaisseau ennemi. Oh putain, c'est trop fort. Allez, on monte. Bien, il y a des tourelles partout. Ah oui, juste une mission de reconnaissance, t'as un putain de cuirassé de guerre. Vaisseau ennemi. Après, tu vas me dire, il tire dans toutes les directions.
Donc on va devoir affronter ça comme vaisseau, ça va être un petit peu chiant. Oh, il y a un bouclier temporaire, trop bien. Un petit vaccin visiblement. Et tout ce que vous avez, c'est plus de pirates que depuis le début du jeu. En deux minutes avec ce... Allez, pas de moteur subunique, pas très rapide. Pour tourner, pas ouf. Ok, ok, faut rester dans le cagnol. Oui, et un peu plus, clairement. Pour rester dans le canyon, très bien. Pour les ennemis derrière, on va les attendre. Les fumer de loin. Vous auriez pu le faire tout seul. C'était très cool. Un cryostabiliseur, un gyrostabiliseur plutôt. Au courant. Nobody else could. And about the suspicious activities in the room? Keep that to yourself, okay? Of course. Très bien. I never thought I'd pilot a spirit again. Not down here. To the pirates. De l'argent. It's just another kind of relic. They had no idea of its power when linked with a gifted. A marked one. Like me. Jump beacon and call in the psychic totem carrier. Executing, Sage. Commander Shadow, the sweep doctrine. Protect the assault wings. Seek out and engage all enemies in this sector. Honor the Prophet. Okay. Sage. Hit them hard and fast, my warriors. Nothing will disrupt the construction of the Jara Citadel. In chorus. Donc le mec il vient et donne ses ordres, il repart. Commandant, tu devrais rester un peu dans la bataille mon gars. Ok. Ouh, faire les deux quêtes de base, c'est bien ce que je pensais. Salut nous. C'est arrivé les méchants. Les grands méchants. Oh, les petits pirates de la petite semaine là. Ouais, on va se dépêcher d'aller à l'enclave. De la vie. Sav, I'm coming. No, Nara, don't. We're already dead. We can't win this battle. Save yourself, please. I cannot run anymore. No. Non, on va venir se battre. Now pull your people back. Nara out. On a un gros vaisseau de guerre. Il est très lent, il va mettre une demi-heure à venir, mais on a un gros vaisseau de guerre, il peut nous servir. Allez, on va aller défendre l'enclave. Ah, tu vois, on pourra pas faire ça de quête s'il meurt. Libérer l'enclave. Enclave, what's your status? Sav? Bad. The cult's all over us. We weren't ready for this. I'm almost there. But some of us are still out there. The cult's targeting them. Understood. They don't stand a chance. Without me. Nara, I had a life reading and then I lost it. Copy. I'll get there. There's someone still alive. Who's there? This is Gila Shakri. Where's my mom? It's Nara. I'll protect you, Gila. Nara, I'm scared. Stand down, heretic. Oh oh, mon gars, je sais pas sur quel ils ont été tombés. Par contre, ton vaisseau est joli.
Voilà. Couche panier. Are you still there? Help's on the way. Just stay brave for me, okay? Okay. Auteur subliminique hors ligne, je ne peux pas faire des jumps. Zav, get that kid out fast. I'll send someone. If anyone's still alive. Vaisseau ennemi. Loin. Je vois sa traînée rouge. Autre vaisseau ennemi. It's just families on board. Save your breath. They don't care. Eh, hey, viens de battre. Tout ce que vous avez. C'est la guerre. J'ai le temps d'entendre tes jérémiades. Ta fille encore, c'est déjà ça. Un qui va toucher, c'est ça. Deux. Control, where are you? All stations, come in. Anybody? What the hell are those things on my station? This ends now. Sav, listen and focus. We can do this. We need to get it off the station before their minds are destroyed. Cover me, Sav. I need you. I'm here, Nara. I've got your back. Now, Sav. Kill them all. C'est parti. Encore un peu loin. Voilà, déjà ça c'est fait. Ah, c'était pas loin. Alors les copains, vous voulez plus jouer avec moi? Eh non. Ouais qu'il les tue. Il est où celui qui a un bouclier là? Que je viens d'abîmer. Comment ça il était tien? Ça va, hein? Allez, le couche-panier. Ouais bon, si je me vautre contre les bâtiments, c'est pas le plus efficient. Ouh, il y a plus d'ennemis. Plus le vent. Ça va vivant. Logique. La première vague passe pas. Pour intercepter les autres. Alright, I'm heading over now.
Oh, c'est plus résistant que ce que je croyais, ces merdes. Non, c'est les vaisseaux, je pensais que c'était les totems. Si on veut vraiment gagner, il faut détruire le vaisseau qui envoie les totems. Et là. Il y a du monde ennemi, hein, par contre, là. Pas nombreux. C'est ennemi, ça. D'accord, les tourelles sont retournées contre nous. C'est parfait. Oui, ils avaient dit que ça corrompait les... l'esprit des gens, mais là, effectivement, les tourelles se retournent contre nous, c'est pas cool. T'as un gros bouclier, toi? T'avais un gros bouclier? Aïe. Moi, j'avais une coque avant. Est-ce que je peux... Aïe. Pour abîmer la station, excusez-moi. Ça aurait été plus facile avec des missiles, hein. Pas dire, mais... Où est le dernier vaisseau? Voilà, s'il bouge pas. Gatling niveau 3, oui, tu m'étonnes. J'ai utilisé beaucoup la Gatling, elle marche très bien. Ok. On a libéré l'enclave. Bon, on a résisté pour cette fois. On a détruit les tourelles à nous. Il en reste. Hunting the last fighters. Enclave, watch your fire. We defeated the Circle forces, but our work's just started. The dead will have to wait. Très très sympa. Day is here. These outer reaches are no longer safe. They will keep coming, again and again, until we're finished, and everyone here is dead or worse. Frontier people are tough, but we're not trained soldiers. We need you to lead the assault on the Circle, Nara. Nara? I... can't... Ah. Désolé. Why? Pour le petit ramage. The people need you, Nara. I need you. The Circle needs you, Nara. I need you. Nara? Nara? I must restore my balance. And I need you, my old friend. Bon, la station a subi des dégâts, mais I'm heading out. And I respect that. I really do. But I have something to tell you if you have a moment. Et on a libéré l'enclave. Tellement de nouveaux trucs à acheter. Mais on verra ça la prochaine fois. Parce que oui, je compte encore en faire au moins une vidéo. Mais à vous de me dire si le jeu vous plaît. À vous de me laisser un petit commentaire. Savoir bah, si vous voulez voir la suite, tout simplement. Désolé pour le petit ramage qu'il y a eu pendant la cinématique. J'essaie qu'il y ait un petit peu le temps de charger. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas du coup à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu, si vous voulez voir la suite, ce que vous faites du jeu tout simplement. Laissez un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt, allez bye bye!